Bonjour à tous, c'est Fanel Effect 4. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo découverte. Une vidéo découverte sur un petit jeu de la Super Nintendo. Il s'agit de Rocky Garden. Ça fait un peu nom de rocker le truc. Bon, c'est un jeu, une vidéo découverte, un jeu que je connais pas. Que j'ai nouveau donc pris. Comment dire, c'est encore une nouvelle une nouveauté de Home Station qui vient de sortir sur Home Station. Et j'ai décidé de faire la vidéo découverte en votre compagnie. Donc Rocky Garden, c'est un jeu d'action plateforme. Donc on contrôle Rocky, qui est une espèce de, je sais pas, de chat, on va dire, un truc bizarre. On peut vous dire un peu un TAS, un petit Tasmanie. Il a été développé et édité par Irem, pas très connu. Donc le jeu Rocky Garden, déjà de base, n'est pas un jeu très connu, hein. Même, on peut dire, c'est pas du tout connu. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On dirait un tatou. Je sais pas, c'est bizarre. Et voilà. Donc pour ceux qui aient du petit point sur l'histoire, déjà il n'y a pas de multijoueur, ceux qui se demandent. Donc Rocky Garden est le nom d'un chat punk qui vit ses aventures sur Super Nintendo. La fille du chef du restaurant Rose a été kidnappée. Oups. Oh, je l'ai tué sans faire exprès. A été kidnappée par la mafia. La mafia, carrément. En échange de toute la nourriture qu'il veut, Rocky Garden accepte d'aller secourir la jeune fille. C'est un boss, on dirait. Attends, on va voir ça. Wait minute. Oh, oh, oh. Bon, ta gueule. C'est en anglais. On va vite sauter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce look? Voilà, on a pris une espèce de yoshi. Il y avait quoi? Ouais. Bon, je nous attaquer. Ah non. Oh putain! Super Saiyan! Super Saiyan Power! Super Saiyan Power! Super Saiyan Power! Ah non, j'ai perdu ma touffe! Donc, dès qu'il utilise son spray pour les cheveux, ce qui va se passer en fait, sa coiffure lui permet d'éliminer ses ennemis et de passer certains obstacles. En revanche, lorsqu'un adversaire le touche, il perd immédiatement sa coiffure. Ok, bon là, je t'ai fait le con parce que j'aurais pas dû la paumer directement, à mon avis. En tout cas, si je chute dessus, ça les bute un peu à la Mario. Ça pose pas trop de problèmes. Là, je me suis cogné la tête. Et après, il faut donc réfléchir à utiliser le spray et tout ça. Donc là, j'ai une... Ah, ok, ok. Donc là, il y en a full parce qu'on est obligatoire de l'avoir. Mais... Là, il va falloir utiliser ce cousin-là pour... Déjà... Attends. On va déjà buter le... la saloperie, là. Ah, ok, donc là... Eh merde, j'ai paumé. Mais ça a donné une bouboule, on dirait. Il va certainement falloir pousser de l'autre côté pour utiliser un peu comme trampoline ou un truc du genre. Allez, prends ta saloperie là. Voilà, peut-être touffe là. Touffe de tif. Allez, prends ça. Super Saiyan style. Voilà. Là, j'ai lancé la bouboule par là. Non, mais elle a disparu. Attends, je comprends pas trop le délire. Là, si je fais ça, il fait ça. Attends. Peut-être qu'il a un pouvoir spécial qu'il peut utiliser quand il a sa touffe à l'air là. Non. Bon. Je comprends pas trop. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais je... Attends. Ouais. Ok, qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends. Ok. Ah, oh, c'est délirant. Il s'enfonce son truc dans le mur. Et après, il s'en sert pour se propulser en haut. C'est délirant. Ouais, c'est pas mal. Un petit univers bien barré, même si le jeu avait fait un gros beat. Il avait quand même des bons petits points, là, on dirait. Ça me fait bien marrer, ça. Regardez ça. Attention, Kawabunga! Attention! Boing, boing, boing. Casse-toi, toi. Voilà, bon, ça, je peux en fait utiliser, à mon avis, pour utiliser comme bouclier après, peut-être. Hein. Peut-être que ça, si je m'en sers. Ok. Comme plateforme, en gros. Casse-toi, toi, laisse-moi des petits tatous, là. Je sais pas si c'est un tatou ou c'est un truc bizarre. On dirait un peu, je sais pas, un écureuil combiné avec je sais bien quoi. Bon, un tatou, je pense bien que c'est un tatou. Donc c'est ça. Mais là, c'est quoi ces canettes là qui sautent? C'est bizarre quand même. Non, bah, elle joue. Cadeau. Ouais, c'est ça, c'est donc un spray. Moi, j'ai un spray bonus, à mon avis, ça sert à rien. J'aurais dû perdre le mien pour l'utiliser. Et merde. Et voilà. On a une bouche incendie qui nous attaque. Ouais, je me suis fait tuer en fait. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Il va un checkpoint, j'espère, parce qu'on a quand même bien avancé. Non, pas de checkpoint, putain merde. Bon, on va encore essayer une fois. Après, on s'en arrêtera là. J'aimerais bien peut-être vous montrer un petit boss, ça pourrait être sympa. Peut-être découvrir un petit boss en votre compagnie. Ça pourrait être sympatoche. Voilà, là, bon, il est pas là, l'espèce de gros gros rappeur là, bizarre. Bizarre comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre. Voilà.
À mon avis, là, on peut aller par là aussi pour utiliser le nouveau système. Wouhou! On dirait qu'il y a des passages alternatifs, ça m'a l'air sympa. Voilà, en fait, on peut le prendre et puis utiliser comme projectile contre les ennemis, quoi. C'est cool. En fait, je vais pas aller par le haut, je vais aller rester ici tranquille. On va passer par le bas sous NES pour éviter les emmerdes. Et si un ennemi, on le bousille avec notre touffe. Bousille, touffe. Attention qu'il ne retombe pas sur la gueule parce que mon avis peut nous blesser quand même mortellement. Ah bah, on dirait qu'il y a un passage alternatif vers le bas, on va encore une fois aller voir vers le haut. Mais je crois qu'il y a des passages alternatifs. T'as pas mal les sprites là qui donnent l'impression là qu'il y a plusieurs immeubles et tout. Qui étaient faits de profondeur là, c'est bien foutu d'ailleurs. Oh là 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 là. Voilà. Attention. Dégage. Voilà. C'est sympa. Là c'est le spray, bon je vais le garder de côté comme j'en ai déjà un sous le coude là. Aïe aïe aïe. En fait on va passer cet ennemi, à mon avis on peut pas le tuer facilement. Putain, j'étais à la fin du niveau en plus je crois. On va atteindre le checkpoint quoi. Et juste avant et je suis mort comme une grosse merde juste avant. Et ben, y a du fromage et tout. Et du pain pour nous donner de la santé ou des vies et tout ça. Étant donné que là j'ai paumé ma super coupe de l'enfer. C'est un peu foiré. Voilà, donc là je suis mort, mais est-ce que j'ai un checkpoint? Peut-être pas en fait, comme là j'ai utilisé toutes les vies que j'avais. Si j'ai quand même un checkpoint, parce que le 0 compte comme une vie. Ok. C'est toujours bon à savoir. Hein. Et un petit, il aime bien son look, il est sympa. Vraiment un petit peu barré. Mais, niveau charge, il fait quand même pas très cher. Il fait vraiment très tasse, sorti de Tasmanie quand même. Hein. Je sais pas ce que. Oh merde, on a un coup! Et en plus, c'est chelou, les bouches à chandis nous tirent de la pisse dessus. Gros délire. Et puis là, t'as Dieu là, qui nous apparaît. On a des continues, on a 4. On a eu le 0 compte comme un continu, donc on a 5. Je crois que j'appuie sur non comme un gros con en plus. Je sais pas. En fait, peut-être oui, je sais pas. Bon, on va encore un peu continuer quand même. Histoire quand même d'aller voir le chemin alternatif là vers le bas. La musique, je sais pas si vous entendez bien, mais elle est assez sympa. Moi, j'entends pas mal, elle est sympa. Alors, on va prendre ça. On prend le spray là. Voilà, super touffe de la mort. Et on continue. Ça on va choper, ça sert à rien en fait pour l'instant de la choper. Attention là, parce qu'elle peut me ravoir la gueule là. Pour me marafer la façade. Allez vas-y, hop. On continue. Et ma façade, tout ce qui compte pour moi. Allez on va continuer tranquille. Pas mal de musique, elle est assez entraînante. J'aime bien en tout cas. On va voir, c'est peut-être un trou en fait, peut-être qu'on crevait quand c'est bon. On dirait qu'il y a un passage alternatif, en effet. C'est assez sympa. Ah non, c'était juste une cachette, on dirait peut-être, avec des fruits là, qui ont l'air d'augmenter simplement notre score. Ah, des petits. Des rats, on dirait. Rats mutants, je sais pas trop quoi. Ouh! Merde! C'est pas une espèce de top ninja là qui nous a attaqué. Attention! Oh merde, t'es con! J'ai mal sauté quoi. Je suis sûr que j'ai pas atteint un checkpoint en plus, c'est chiant ça. Merde. Non. Bon bah on va s'arrêter là. Je crois que cette vidéo, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein, elle est assez sympa, n'hésitez pas à la partager. Laissez un petit commentaire et à vous abonner pour rien manquer. Allez, salut à tous, à la prochaine. Ah oui, et aussi j'espère que vous aimez bien hein, toujours la variété sur la chaîne. Hein, comme vous le savez, je fais pas toujours que du next-gen ou du rétro. Je fais vraiment de tout sur cette chaîne. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. Allez, salut à tous.